Le principe scientifique de BirdLab, c'est d'essayer d'étudier le comportement des oiseaux aux mangeoires. Donc de voir si, en mettant deux ressources alimentaires identiques, de voir s'il y a de la compétition entre espèces, ou au contraire de la coopération. Est-ce que quand on a un oiseau qui arrive, est-ce qu'il apporte de l'information à d'autres espèces pour qu'ils viennent se nourrir également? Est-ce que les gros oiseaux, par exemple, peuvent chasser les petits? Et puis aussi comprendre l'impact de l'environnement immédiat sur ces populations, en fait. Est-ce que finalement, est-ce qu'avoir un buisson à côté de chez soi a un impact? Est-ce qu'être en milieu extrêmement urbanisé a un impact sur les populations d'oiseaux? L'enjeu étant de pouvoir ensuite faire l'inverse, en fait, se dire bah, qu'est-ce qui est favorable aux oiseaux et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les favoriser. En fait, ce qu'on apprend avec BirdLab, c'est le caractère des oiseaux. Savoir s'ils sont timides, si ils peuvent pousser les autres, voilà, c'est leur trait de caractère. Ça, on l'entend souvent, en fait.